Novabus conçoit et fabrique des autobus pour le transport urbain sur le marché de l'Amérique du Nord. Nous avons des usines au Canada et aux États-Unis pour desservir notre marché. Nous sommes fiers d'avoir un siège social ici au Québec, à Saint-Eustache, avec une équipe d'employés engagés et passionnés par notre mission. Nous avons des autobus à propulsion traditionnelle comme le diesel et le gaz naturel, mais aussi des autobus hybrides électriques et finalement notre russe électrique 100%, le LFSE+. Donc, ma formation de base est en génie mécanique et j'ai passé par différents départements de la compagnie jusqu'à ce que j'arrive au département de tests et validation. J'ai travaillé dans le département de garantie, des services après-vente, d'ingénierie aux ventes et finalement le département de qualité. Donc, au bout du fil, ça revient à nous de tester chaque solution et de déterminer si elle respecte toutes les contraintes, tous les requis, toutes les normes applicables. Et de dire oui, on peut la commercialiser, on va la vendre pour plusieurs années à venir. Ou non, il faut faire un pas arrière et apporter des changements. Donc finalement, c'est une responsabilité énorme qui, pour moi, c'est très stimulant. Étant quelqu'un qui a déjà eu l'opportunité de travailler dans au moins 3 pays différents pour les groupes Volvo, je peux dire que Novabus est une compagnie qui offre plusieurs opportunités, autant pour des mouvements latéraux comme verticaux. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui donne vraiment l'opportunité pour que les professionnels grandissent dans sa vie, dans la compagnie. Donc, selon moi, l'électrification et le développement des nouvelles technologies électriques sont une excellente opportunité de développement économique pour la société. Et une opportunité extraordinaire pour nous, comme société aussi, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, tout en soutenant les compagnies et les emplois d'ici.